Ah bah putain, notre petit bonhomme, il a encore voté balade berlinoise, décidément. À croire qu'il fait exprès. Mais Hein. c'est Ah, Londres, il veut toutes faire les villes une c'est Berlin capitale. pour lui. Ah non, c'est Londres, putain. Toutes les villes c'est Berlin. Eh oui, bah pour le petit bonhomme, toutes les villes Après, en doivent soi, finir il Berlin. voulait choper Londres aussi, hein, donc Il y a bon. Aslo qui te réclame 10 dernières, Léon. 10? C'est 10 bientôt? dernières. On va. Allez, je négocie à 2. T'es vraiment un as en affaires, toi. C'est une négociation comme une autre. Ah, Allez, j'en fais 2. par contre, Celle-là, vu que je suis malade, je c'est la compris, bien dégomme sûr. ma bouteille en boucle et j'ai envie d'aller pisser toutes les 2 minutes. Ah, et bah tu peux en soi. Bah, peut-être attendre la fin de la game quand même. Non, vas-y maintenant, t'inquiète. Il négocie comme un Ah, si CM. t'es inquiet pour le chat, t'inquiète, on peut leur papoter, hein. D'ailleurs, Léon qui a tenté de faire un stand à la TwitchCon où il parlait de la gestion des réseaux pour les streamers. Ouais, et j'ai trop hâte d'y aller et de voir les gens dire, enfin, tenir des stands de merde. Et il pouvait pas le faire tout seul, donc il s'est inséré avec moi. Voilà Exactement. quoi. Merci L'ex- d'ailleurs l'expert encore. du domaine. J'ai jamais reçu de mail ni rien, donc je sais pas même pas si j'étais dans le truc, mais. Et Bah, dans les normalement, faits, oui, bah du coup, il a mais. pas été pris, malheureusement. On n'a pas été pris, Voilà. du coup. On n'a Mais pas en été vrai. pris, et il a hâte de voir les stands de merde pour racher là-bas. Ah, vraiment, hein. Premier message que j'ai envoyé à Oasix, j'ai dit, j'ai pris mes billets. On n'a pas été retenu, j'ai hâte de voir les stands de merde qu'il y aura là-bas. Du Je coup, t'as vous pris ton préviens, il y a badge un. Tour Eiffel ou pas? Sur Twitch? Hein? T'as le badge Tour Eiffel? Non. Ah bon? C'est pas automatique quand tu t'inscris à... Ah non, je crois qu'il le donne après l'événement, non? Bah, j'ai vu des gens avec et le Boisbot là. Ah merde! Bah, il faudra que je Non, regarde. mais t'as juste pas été voir dans les trucs de badge. Ouais, il faudra que je regarde, mais oui, je suis pas allé voir, donc je pense que. Les places, elles sont limitées ou pas? Je sais pas du tout. Moi, je vais les prendre après ce live parce que j'ai toujours oublié, mais pas de problème. Alors, en vrai, tarde pas trop, je pense, Oui, parce non, c'est ça, c'est que à ça. tout moment. Et coucou Laure et au revoir Laure. Désolé, jusqu'à te disais bonjour et au revoir. J'ai qu'à dire bonjour au revoir très rapide. D'ailleurs aussi on vous prévient, voilà, vous avez 3 mois pour nous faire devenir des partenaires Twitch. Oui, parce qu'on a envie d'aller à la soirée partenaire ce vendredi Voilà. soir. Donc s'il Et vous bon, on plaît, compte sur bougez-vous vous. le cul. Beaucoup de Merci. pubs les amis, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de lurk. Voilà, n'hésitez pas, vraiment, c'est avec Bon, n'hésitez plaisir. pas non plus à faire des subs, puisque vous savez, ça peut marcher, tu vois, du coup, les gens comme Laure qui viennent parce qu'ils se sont fait sub gift, n'hésitez pas. Exactement. Vraiment, c'est avec plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Et promis, on vous Hein. fera peut-être une vidéo. C'est un beau cri, ça. Bouffé par un dogo chaîné. Tiens. Oh, le cut. Le Je suis cut derrière d'une vie. Chris. Je vais me déporter sur le côté. Oh, Shing! Comment il va, le ref? Just tryharding. Just tryharding, c'est une catastrophe. Oh, mais c'est Shing. reverse! Putain! Je pensais que je connaissais pas assez la map pour me faire Non, avoir, Shing, mais. pas ça. Ah, ou de Pas maintenant, Virachi, pas hein. tout ce que t'as fait. En plus, on laisse passer Don Pedro. Don Pedro. Oh, Don Pedro. Mais t'arrêtes! Je tryhard les toilettes! Je Ok. fonce. Bisous, Laure. Bisous. Merci beaucoup, Laure, d'être passé. Bisous, Laure. Bisous, C'est une personne en or. Il m'a dit coucou Laure d'être passé. Coucou Laure d'être passé. Allez, coucou d'être passé, hein. Et bah super. Si vous me découvrez, merci de me découvrir, hein. Oh, t'as pas la ref. Non. Je crois Attends, que mais si, je l'ai peut-être. c'est les débuts de Chape sur Eclipsia, je crois. Ah ouais, non, là, non, je sais pas, non. Ouais, c'est Bresson, c'est Bresson, mais. Ah, c'est Si vous me Bresson, découvrez, c'est lointain. bah merci de me découvrir. Non, putain. C'est une des phrases les plus innocentes que j'ai Mythique. jamais entendues. Non, mais là, quand même, en vrai. J'adore, j'adore Internet. Oh, on a perdu notre Chris. Ah non, il est toujours là, putain. Je le voyais pas, il était derrière quelqu'un. Il Comment faut pas rater se moquer de ce. lui, hein, parce que. Voilà, Oui, c'est vrai, il est un peu susceptible. ouais. C'est Après. légal ce qu'on fait là? On a la limite quand même, hein. On a un peu la limite, je pense. Mais en soi, bon. Après, il était pas si méchant que ça, Charlie Chaplin, hein. C'est vrai. Et en soi, si Nintendo autorise cette moustache, c'est que. Alors. Alors en fait. Oh, le timing! Oh, il est parfait. Putain, Désolé pour je suis vraiment sous l'horrible sa peau. blague, hein, en partant. Non, je crois qu'on l'a Allez. pas entendu, mec. J'ai pas compris, moi. Allez, allez, allez. Sinon, Allez, TwitchCon, c'est. Shing, tu viens? Ou juste on se voit en dehors, Shing?
Franchement, 60 balles la place, Reservoir 2 en mec. Alors non, 125 si tu prends les deux jours, bien sûr. Et ben on va clairement se faire deux bars, mec. Non, mais toi qui es déjà sur Paris, je peux comprendre. Moi, c'est un peu une occasion de monter à Paris et. Ce que je veux dire. Je devrais être là à cette période-là, donc je pourrais peut-être te loger. Attends, j'attends de voir si Laura et Zéro et compagnie veulent monter à Paris avec moi avant. Go y aller à 1 milliard. Après, j'ai dit quoi, parce que genre t'as une visibilité sur Twitch, les autres ils en ont pas, donc. Bah mec, j'ai un gars qui vient d'un peu plus au sud, qui a une grosse crinière, qui a aussi une petite visibilité quoi. Ouais, mais lui à chaque fois qu'il va chez les gens, il veut les baiser, donc je suis pas. quoi? Ah bon? Ah non, pas spécialement, j'avoue, je voulais pas forcément baiser. Mais. Mec, c'est pas toi qui a une crinière, si jamais. Ne vous inquiétez pas, je rigolais, je sais que vous parliez d'Aslo, je calme. C'est sûr, t'avais pas entendu cette info là. Oh non! Alors, gros bug, impossible dans le jeu, hein, gros bug. T'as bien raison, je vais aller dans ma chambre, je vais fermer la porte à clé, je vais les mettre l'intégrale des tuches, les tuches 4. Le jeu a bugué. Mais le jeu a bugué, j'étais en étoile, j'ai défoncé le mec, mais j'ai en même temps pris ses rouges. Faut m'expliquer comment. J'ai pris le saut et il m'a dit non, tu prends pas le saut. Oh yes, je suis en plante, super. Je vais lui dire, je me suis épilé pour toi, mec. Oula. Ouf. Bon, allez, j'en fais une dernière parce que cette map elle compte pas. Et du coup, pour une fois, je suis sorti des toilettes, ça faisait 6 mois que je l'avais pas fait, je me suis lavé les mains avec ma copine et Covid. Ça faisait 6 mois. 6 mois que j'avais les mains crades. Ça fait 6 mois. Oh, 6 mois que ça a fait du fromage de bite dans ce moment. Mon dieu. Mais par contre, ouais, moi j'habite quand même pas à côté d'une gare et on va dire à une bonne heure de. C'est où? C'est à Porte de Versailles? Mec, aucune idée. Aucune idée, on n'a pas regardé. Là, j'ai fermé les yeux. Une heure de transport, donc c'est vrai que si vous pouviez prendre un truc plus proche, ça vous arrangera. Mais on se verra, ça c'est sûr. Mec, viens dormir avec nous. Viens. Allez, viens, Shing, on se met tous ensemble. Voilà. Vraiment, mais payer 130 balles pour la TwitchCon. Mais viens avec nous juste le soir. On se boit un verre pas loin de la TwitchCon et tu dors. Je me dis, mais t'imagines, tu payes des sous pour voir tes streamers alors que tu pourrais les voir en slip chez toi gratuitement, quoi. Hein? C'est fou. Ouais, mais tu vas pas que pour ça. Mais y a quoi en fait à la TwitchCon? J'en ai aucune idée, mec, mais j'ai trop envie d'y aller. En vrai, là, moi, c'est une occasion pour monter sur Paris et que tout le monde sort groupe. En plus, voilà. Oui, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Mais par contre, je vous dis, obligé. J'ai oublié ce que je veux dire. Les amis, il y a Don Pedro qui vient de débarquer sur le chat. Oh, mais non. Il a dit quel hasard, je suis dans votre room, mais. Comment ça, quel hasard? Tu me connaissais déjà? Il écrit premier message. On t'a bien remarqué. T'inquiète pas, on t'a remarqué, mec. Y a pas eu 150 vannes sur toi. En tout cas, si tu veux revoir les vannes, n'hésite pas à faire point d'exclamation YouTube pour la chaîne de VOD. Je commence à transpirer parce que si des gens de la room commencent à nous rejoindre, Chris n'est pas le bienvenu ici en tout cas. Chris. Oh ? Ah, dommage. Mais visiblement, Chris est allemand, donc. Et pas autrichien, peut-être donc déjà c'est un choix. Il a voulu se donner un style, justement. Je veux pas que je parle. Et Don Pedro, on t'a bien repéré en tout cas. Oh, putain, par contre, 200 CC, cette map, c'est horrible. Bah, non, mais je me dis, tu connais pas un truc bizarre. Ouais, c'est. Oui, c'est. Bah, Léon, tu vas pas faire une dernière game en 200 CC ou tu t'amuses pas? Non, je pense que je vais en faire une après. Don Pedro vient d'arriver en plus. Il y a Don Pedro, la dernière. Et Don Pedro, mec, il veut pas quitter. Je répète, Yamako qui va se couper à minuit et à 11. Eh, ça, moi, ça a pas coupé, hein, c'est fou. Code parental. Deuxième jour dans la semaine où ça coupe pas. Comment ça fait? Chillé, mec. C'est les vacances, c'est pour ça. Moi, j'ai réussi à rester sur le truc. C'est dur ce jeu. Oh, il est dur ce jeu. Surtout en 200 CC. Oula. C'est une baston, hein. Rester sur la route. En plus, ça glisse un petit peu. Ah oui, c'est pas agréable. Hein. Ah, et la bombe. Au moins, ça va me ralentir et me remettre droit. Ah, la vie qui klaxonne. Attention derrière. À la rouge. Ah, je passe en dessous. Très bien. J'adore ce jeu. C'est une catastrophe. Trop dur la map. Bah surtout, enfin vraiment c'est le. Oui. CC, il est. Mais en horrible. Plus vu que la map elle est un peu glissante de base. C'est pas la. C'est ah oui, pas non, la. Déjà c'est une map où tu peux un peu mourir dans le vide de toi-même. Ah, je descends CC là-dessus. Oh, allez, c'est le Best of Dumb V à la fin. Voilà. Désolé allez, pour Londres, c'est... comment ça? Parce qu'il avait dû faire une dinguerie sur
La map de Londres. Je sais pas. Je pense que c'est ça. Très peu attentif à ce qui se passe. Don Pedro, excuse acceptée. Ah mais oui, mais Don Pedro, il a la couronne depuis tout à l'heure. Oh, il y a le Joker. Ok, mec, c'est parti. C'est Léon, ça serait un symbole qu'on finisse sur Promenade Toad, mais voilà. Ah putain, mec, j'ai voté pas du tout Promenade Toad. C'est pas grave, tu comprendras dans 10 ans pourquoi j'ai dit ça. Attends, je réfléchis. Tu peux pas comprendre. T'as pas la ref. Bon, bah, je réfléchis pas. Mais je te l'expliquerai une autre fois. Ok, ça me va. Moi, je suis chaud de prendre Airbnb avec vous, mais faut que tout le monde soit chaud. Non, mais Aslo, faut qu'on en parle. Moi, de toute façon, faut déjà que je sache si ma copine et mes potes montent avec moi, tu vois. Et c'est à partir, ça se complique. À partir de là, je saurai quoi faire, mais faut qu'ils me répondent. Faut que je leur demande. Enchanté, du coup, je tombe sur vous au hasard également sur Twitch. Non, mais attends, mais. Ah, mais en gros, t'avais pas vu nos pseudos. En gros, t'étais en train de jouer MK, t'as cherché à te mettre un live en fond, et du coup, t'es tombé sur ma sale gueule. C'est donc ça le multivers. Très oh, stylé. Putain. Et peut-être qu'il faut entendre Don Pedro ici. C'est bizarre, ça dit quelque chose ce pseudo là. je le connais ce mec, non? Improbable. Après, comme on disait tout à l'heure, on sait qui tu es et quelle personne se cache derrière ce nom, bien sûr. Non, on te connaît, on te connaît, Don Pedro. On te connaît, hein, avec ta grosse moustache là. Bref, vive la CGT, j'ai envie de dire. Tout ce que je dirais. Bah, il l'est plus justement. Et il l'est plus justement. Bah, donc c'est pour ça que Don Pedro joue à. Joue MK, il a le temps de carte. Il est à la retraite, donc il faut en profiter. Il part tourner un job, il y a pas une histoire comme ça? Aucune idée. Bah du coup il doit peut-être cotiser jusqu'à... pour essayer de partir le plus tôt possible. Ah non, le tram. Oh, je suis avec Shingili, coller un tram. Oh putain, mais vas-y. Mais désolé, moi je bouffe les gens automatiquement, j'ai pas demandé moi. c'est une pulsion de mon perso. Sinon crois-moi que je t'aurais pas bouffé, hein. Bref. Bah Léon, tu es dégueulasse. Oh, j'ai la ref. J'ai la ref, c'est lui-même. Il a la ref de lui-même. J'ai pas la ref, moi. Mais mec, t'étais là. Comment ça? Mais c'est une histoire de... Ah oui, oui. Oh putain. Mais Antonin, tu es dégueulasse. Pure stream hacking. Ah bah d'accord. Just stream hacking. Ah, tu stream hack? Bah j'ai vu Oasis, j'avoue que j'ai fait un petit détour pour lui croquer le cul. Oh, en vrai, t'as bien fait. Du coup, je me suis vengé, j'ai boomerang Léon. Bah ouais, du coup. Et du coup, je suis 10ème. Je snipe la vie. Ah, j'ai pas réussi à sniper la vie. Ça passe pas? Ça passe pas? Ça passe pas. Vérité. En effet, ça passe pas. Ah d'accord, j'avais pas compris pourquoi tu parlais de la vie. Du coup, j'ai compris maintenant. La vida. Ti, à la vie. La vida loca. La vida loca. Loca, loca. Y'a un mec devant moi, il a une bile. Mais Léon, fallait activer plus vite. Tu l'as activé? Bon, j'étais mort chez moi. Ah non. Pour moi, t'as volé. Oh. Mais. C'est sympa ça. Mais mec. Mais là, encore une fois, je suis touché, mec. Là encore une fois, pour moi je l'ai touché. Par contre, comment ça? J'étais devant toi, on a activé tous les deux une bille et t'es fini devant moi. Non, je l'ai activé un peu après toi. Oui, non, mais dans tous les cas, on a activé. C'est censé durer quasiment aussi longtemps et tout, tu vois. Tu m'as gratté quand même. Un petit peu. Oh, c'est une dinguerie ce jeu de merde. Putain, frère, la verte la plus random de tous les cas. Bah ouais, s'ils viennent, je vais pas les abandonner. Je vais être très queue, je sais pas. Mais attendez, faut que je change. Je verrai la journée, ils feront autre chose la journée, je pense. Celle d'après. Oh putain, faut que je mette en partage de co, mais quel enfer. Ça coupe ton live? Hop. Merde, tu mutes. Ça coupe ton live de faire ça? Non, pas mon live, mais c'est pour sur ma. Sur la console. Oh, je vois. Sa grand-mère. Je suis fatigué, les chats ils vont pas jamais me laisser dormir, ils ont dormi toute la journée. Oh les chiens de la casse. Et non, c'est des chats. Faut les réveiller en boucle, moi je faisais ça. Mais vraiment, je pense que ça, c'est une théorie qu'il faut faire. Hein. Genre, ton chat dort, tu le réveilles. Il y a Don Pedro qui vient de dire qu'il fait plus qu'une course et puis qu'il part manifester. Putain, c'est stylé, on peut venir. C'est quoi le slogan aujourd'hui, Don Pedro? Je sais. Un petit peu au courant. Après, tu vis où? Peut-être que tu es un petit peu seul à cette heure-là quand même, non? Ou alors tu te reposes pour la prochaine manif. C'est peut-être autre chose, mais. Pourquoi il a un petit peu de temps là? Je comprends pas. Bah. Ça manifeste beaucoup à minuit? Bien sûr, mec. Bon. pas à Chalon-sur-Saône, mec, en tout cas. Hein. Ça s'appelle une teuf. Ah. J'avais pas compris la blague. J'avais pas la rêve.
C'était pas une blague de base. J'avais pas la ref. J'ai improvisé. Ah tiens. Moi je connais pas la fête, hein. Moi je joue aux jeux vidéo. Hein. Par contre. J'avoue, vive les jeux vidéo. Par contre, moi je joue pas, je travaille. Dit-il sur stream pas lancé. Oh non, il travaille son réseau, il travaille son réseau. Ça va. Bien sûr. Il travaille son réseau, je vois, je vois. Non, je lance pas mon stream, j'étudie votre chat et je récupère tout le monde après. Voilà, attends. Bref. Je vais me faire un petit show d'up tranquille. Bon, du coup, on est en train de suivre Oasix, messieurs dames, qui est en train de performer, bien sûr. Qu'est-ce que tu dois. Quoi? J'ai pas de banane au cul. On va plus suivre Oasix, on va suivre plutôt Don Pedro. J'ai perdu ma banane sans m'en rendre compte en fait. Oh, Don Pedro qui est pour l'instant la deuxième place juste derrière Shinglingling, bien sûr. Qui passe premier, qui passe deuxième. Voilà, parce qu'il s'est fait visiblement défoncer. Bah si, il s'est fait défoncer, mec, c'est quoi le souci? Oh bah le souci c'est trois vertes puis un klaxon. Ah, ça c'est un souci effectivement. Shinglingling qui est en mauvaise posture. Je vais essayer d'aller chercher ce sucre. Pedro. Qui reste sur le podium pour l'instant. Bien sûr, je suis vraiment un commentateur d'e-sport. Ouais, vraiment. Si jamais il n'y a pas Shing à la prochaine WSK, peut-être que je peux t'inviter au cast, tu vois. Mec, en vrai, avec plaisir. Je vais être un commentateur exceptionnel. Après, je suis désolé, je vais pas t'inviter pour la finale, puisque j'y serai, du coup, je pourrais pas la caster. Mais je casterai le match pour la 3ème place. Bah, si tu veux, je peux caster la finale, justement. Allô, tu seras en loser bracket, tu pourras pas. Enfin, tu seras en finale loser. Ouais, mais c'est pas en même temps les finales. Si. Final loser en général, je vais pas te mentir, les gens ils s'attendent pas trop à la regarder. Hein. Ah oui, c'est pour ça. Oh, mais c'est dur cette game. Hein. Et... c'est vraiment dur. Ah, hein, c'est dur. Hein. Oh là là. Oh là là là. Derpède. Coucou, dur la Théo. J'ai rien compris. J'ai compris. Pedro. Il a fait petite Derpedro. Petite Derpedro. Pedro. Ah, la petite si, Pedro. Pedro. Tu peux pas nous quitter comme der. Ça. Oh, il a dit bonne soirée à tous. Oh non. Oh, Don non. Pedro. Non, Don Pedro, tu peux pas le faire lobby, ça. Il est encore dans le lobby. Il est encore là. Je pense qu'il a bluffé en peut-être vrai. Qu'il part manifester avec sa Switch. Oui, c'est il est en 4G. Il est en 4G. Ah non, il vient de s'envoler. Oh, il est parti. Don Pedro. Oh, il est revenu. Oui. Mais quoi? Il a juste changé de couleur. Il était jaune quand il est parti. Non, il était violet. Ah bon, il a mis son gilet jaune. Ah, Don Pedro qui est resté avec nous. Oh, la lourdeur. On est vraiment des chiens de la casse. Mais comment ça, on assume tes torts tout seul, hein? Ne mets pas l'entative, hein. Quoi? Hein? Dit-il alors que c'est lui qui l'appelle Don Pedro depuis tout à l'heure? Mais moi, je l'appelle Philippe, déjà. Je lui ai dit qu'on l'avait reconnu. Dès qu'il est arrivé dans la room, je lui ai dit, mec, on t'a reconnu, arrête. Mais mec, pourquoi tu l'appelles Philippe? On parle pas de Philippe HTVS, là. Oh, vas-y, essaie de dire son... Ça doit être mon bot. Ah, il est vraiment parti. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On fera comme s'il est là, du coup. Ouais. Allez, Don Pedro. Allez, Don Pedro. Il est où, Don Pedro? C'est une mascotte de la chaîne pour moi. Je l'oublierai jamais. On t'oubliera jamais, Don Pedro. Ah, c'est une bonne soirée, moi je t'oublierai jamais, Pedro. Il dit ça pour le gratter en viewers sur sa chaîne à lui. Hein. Là, il y a le Shadow qui part dans une minute 30. Hein. En plus, parce que tu sais que c'est faux parce que à chaque fois que je suis quelque part, c'est toi qui mets un petit ah en fait, il est streamer. Là, là, là. Non. Moi, je suis là, je suis timide. Pourquoi j'ai champi? Je suis trop con. Je veux pas, Moi, je me mets dans le chat, je suis en mode. Et si tu me follow, c'est que les petits ou. Waouh. La pire utilisation de ce même. Mais c'est vous bien, Philippe Martinez. Le flot, c'est que pour les petits. Ou... Ok. Oh, le backspam de Kimi. En vrai, vas-y, je suis ton meilleur pote. Tire pas derrière, s'il te plaît. Mais tu sais qu'en disant ça, tu me donnes envie de tirer derrière. Vas-y, bah fais-le. T'es mort. Je l'ai fait. Je n'arrêterai pas de jouer tant que je me serais pas vengé. Je l'ai fait, mec. Mais je sais pas, en disant ça, tu me donnes envie alors j'aurais même pas pensé, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ce qu'ils disent tous. La vie avant qu'elle te fume, mec. Bref. Oh, tout est dans le vide. Oh, Don Pedro. Just in fact. Don Pedro, pourquoi pas partir? Tu es en train de faire une performance, là? Non, mais moi, c'est bon, là. Don Pedro, il vient d'arriver. Normalement, je fais premier. Just ruling. Oh, j'ai touché ce sucre. Il m'a volé l'item! Mérité. Mais je suis 8ème, j'en ai besoin.
T'es 8ème? Je suis passé devant tout le monde là? Ouais, il y a un moment où tu m'as. En fait, t'as pas remarqué que t'es passé devant moi parce que j'ai sauté dans le vide. Ah, d'accord. Non, j'avais pas vu. Putain, vite. Oh. Je déteste ce jeu. Oh putain, moi aussi. Ok. Ah, viens, mec, on a. Je sais pas ce que je fais. Joue à ce jeu. Non, je peux cutter là, ça peut être pas mal en fait. Oh, mais t'es trop. C'est toi le premier, Léon? Ouais, t'inquiète, tu rajoutes un 0 derrière et c'est moi. Derrière, non, au cas où? Ah, Shin qui a tenté de me bouffer le cul dans des moments. Eh ben, t'as vu comment j'ai esquivé? Okay. D'ailleurs, la plante, il faut maintenir le bouton pour aller plus vite. Hein? Voilà. Bah, ça va plus vite de maintenir le bout, mettre des gros coups de plante que de spammer les petits coups. C'est vrai. Si tu maintiens longtemps, ça va plus vite. Bah, après, faut être en ligne droite peut-être aussi. Si tu te mets une grosse vitesse dans un virage, bon. Tu me cherches, toi? Merci à Don Pedro. Don Pedro, il est fantastique. Moi, j'adore. La lourdeur, la lourdeur. Dit-il. Oh, Don Pedro, tu voudrais pas joindre le Discord des follow quand même? Oh, putain, Don Pedro. Attends, je vais le mettre en. Je vais le mettre en VIP sur ma chaîne. Bon, allez, cette fois, c'est vraiment la dernière pour moi. Comme ça, ça a fait les 10 d'Aslo, au final, il a bien négocié. Bravo à lui. Je sais pas si ça fait 10, mais... Non, ça fait 5. Ça fait moitié, très bien. Très bien. De toute façon, je n'ai plus la force de combattre. J'ai eu un regain de boost grâce à Pedro de ces dernières games, mais là... Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Le jus est parti. Hâte du canoë, wow. En tout cas. Ok, j'ai un dit. Deux. Oula, petit. Oui, allô? Je sais pas de quoi vous parliez. Non, de rien, t'inquiète. Il est lourd. C'est lourd, même moi j'en ai marre de la blague. Je loue Shin les vendredis qui veut d'un ami pour faire des vendredis en multi. Oh, tu vois, qui arrive à minuit 7. Il est arrivé juste 2 minutes avant chez moi avec son salut. Salut. En fait, maintenant il est chez moi, il dit noix de coucou puisque le bot lui répond salut quand il le dit. Oh, si. Ça. Je suis jaloux. Sur le bot, il me répond jamais. Il me déteste. Mais tu dis noix de coucou, mec, ou tu dis autre chose? Moi, je dis. Bah, je lui dis va le faire foutre et il me répond pas. Ah, bah, je comprends pas. J'ai peur de Yosh. Je comprends vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Moi, je dis noix de coucou juste parce que j'ai peur de Yosh, mais j'ai pas très envie. Déjà, j'aime pas dire bonjour. C'est vrai que je me suis fait détruire l'autre jour parce que je suis arrivé sur un live sans dire bonjour. Chez Aslo. Je me suis fait engueuler par toute sa commu. Ah, slow. Moi j'aime bien être dans l'ombre et faire une petite blague en débarquant. Totalement d'accord. À chaque fois je me force à pas parler et à chaque fois il y a un truc qui me donne envie, je parle et ça y est, je suis cramé. Fuck. Mais faut dire bonjour mais faire ta blague. Puis en plus vu que je suis trop populaire, les gens ils sont là. Oh Shin, ça fait trop. Oh Shin gilingiling. Oh là. Oh le melon. Je suis obligé de donner, tu vois, les gens veulent, je donne, mais... Voilà. Ils sont obligés d'écrire Shingiling Giling. Oh. Je suis désolé. Ah, c'est pas toi. Oh non, vas-y, c'est mon double. Allez. Oh, putain, comment je t'aime trop, moi aussi, putain. Karma. Karma, karma, karma. Just Mario Karting avec Oasix et putain. Taon. Ouais, c'est un slow qui t'a appelé comme ça. Comment ça? D'accord. Il dit, je t'aime trop, Taon. Il a dit, mec, je t'aime trop, Taon. Ah, mais il a voulu dire putain pour toi, en fait. Shing. C'était pas Léon, en fait. D'accord, parce qu'après, il a corrigé, il a mis putain. En fait, Shing, c'est un slow qui disait qu'il t'aime trop. En fait, on parlait pas du tout de Léon. Il parlait pas à moi. Mais si. Super, hein. Je m'amuse bien. Je sais pas à qui il parlait. Et il parlait à tout le monde. Mais il a dit je t'aime trop, il aurait dit je vous aime trop. Mais non, parce que c'est un... Ah, je t'aime trop, putain. Je t'aime trop. Bon, voilà. Et t'es trop chiant, t'es trop chiant. C'est que je vais finir le live sur 6ème place et sur Aslo qui... T'es trop chiant, t'es trop chiant. Bref. Comment vas-tu? Je bois ta gorge, t'inquiète. Bon, j'en fais une dernière. Il parlait à perdre. Je vais finir sur un podium, putain. En promenade Toad, on finit sur promenade Toad. Bah écoute, ça va. Et est-ce que en stream il y a déjà une fois où vous avez capté un de vos pets? Hein? Comment ça?
Sizi. Bah genre vous êtes en stream, vous pétez, genre ça s'entend au micro. Mais comment tu veux qu'on n'a pas le retour? Comment tu veux qu'on entende? Ok. Parce que même si on l'entend, c'est discret, comment tu veux qu'on l'entende nous-mêmes? C'est les viewers peut-être qui vont te le dire, mais... Donc vous pétez en stream, vous? Bah ça a dû arriver statistiquement, tu vois. Moi je crois que ça m'est jamais arrivé. Ça m'a jamais arrivé. Ou alors statistiquement c'est peut-être déjà arrivé et j'en suis pas conscient. Alors juste un petit peu de discussion de minuit 11. Ouais là il est tard là. Mais je disais juste que les Covidés m'ont contaminé, je sens que je suis en début de maladie et je profite de ce dernier stream avant de disparaître. Si vous avez d'autres sujets de discussion dans le thème, n'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que vous avez déjà fait un entretien ou une réunion en visu sans pantalon genre? Jamais fait de réunion en visu. Désolé. Non. Je suis pas assez dans la start-up nation, mec. Moi, je me suis fait recruter où j'avais fait un entretien, j'avais un costard et un short. Pas que la caméra, elle tourne, quoi. Bon, ça va, t'es quand même un short, mais... Oui, oui, j'étais pas tout nu, quoi. Il y a le chat qui passe. Pouf, la bite de ching. un coup de pchit et puis pouf, à poil. C'est un mauvais jugement parce que les chats c'est des bêtes à poil. C'était pas fou. Oh la banane. Je reconnais que c'est pas ta meilleure. Non, c'est pas ma meilleure et bon. Après bon il est minuit quoi. Bah, oh, t'es un fou mec. Et minuit t'es un fou mec. Je suis un fou, putain il est minuit, je suis même pas couché encore. Putain si mes parents le savaient. Bah il y a le contrôle parental, ils vont être au courant. Ah bah là. Là ils sont en mode mais attends pourquoi la lumière est encore allumée? Ils vont arriver, ils vont me casser la gueule. Hop là, salut King. Je te prends pour ta dernière là, t'es l'allemand mec. Vous êtes tous les deux premiers là? Ah ouais putain je suis le seul naze. Gros naze. Attends, t'as pas pris ma carapace? Hein non. Il triche. Déjà putain, la fois d'avant il a pris et ma fusée. Et toi tu. Oh là là. Il a pris et ma fusée et Et je sais plus ce que c'est de mon étoile et il a rien pris donc bon, il triche. Non mais ce gros merde il se prend une banane et du coup je vais prendre sa banane. Vas-y que se fait gaffe, je vais mettre une bombe. Oh bah je suis loin hein. Ok alors. Je suis ça très va. Loin même. Ah mais d'accord. J'ai pris deux trucs, j'ai passé dixième. Bon on parie combien qu'avec la chance que j'ai là, il y a une bleue qui va arriver dessus, genre qui va m'arriver dessus. En fait, voilà, j'ai une. Voilà, nickel. Hop là, on continue. Ching, t'es loin derrière quand même, non? Qui? Mais je vois ton emoji derrière Ching, là, ton c'est bizarre, ta tête. Ça bug le jeu. Mais c'est horrible. Genre, c'est la première fois de la soirée, je suis à stade place. Il a attendu une seconde. Je sais pas, j'ai regardé la map et j'étais vu très loin. La dernière mais non, page, mais je peux y aller. Les gens. Ou c'est que les pires. Vraiment, je me suis moqué de Shing une seconde. J'aurais jamais dû. Je suis passé de deuxième à dixième. Bon, je pense pas que je vais être une semaine off, hein, vraiment pas du tout. Mais... C'est de la fin. Mais j'ai tous été en place pendant 2-3 jours. Non, pas tout, mec. Peut-être que demain je stream pas. Si, quoi. Là, j'arrête tout, là, mec. Je sens que ça commence même à. Même ma vie, je pense. Bon, je sais pas, je streamerai quand je serai bien. Alors, si tu veux, il y a 16 balles dessus. Bah c'est pour améliorer ma caméra, mon setup. Tu vas acheter une cam à 16 balles, genre? Après, ça se trouve, à tout moment, j'ai pas grand chose. Hein. Tu m'envoies la ref? Je te l'achète. C'est-à-dire que ça fait 3 jours que je dors dans le canapé pour ça. Tu pour éviter de l'avoir, ce putain de virus qu'ils sont tous su. On va l'avoir quand même. Bref. À tes souhaits. C'est bizarre, là vraiment sur tous les potes ils ont tous eu les symptômes, toujours tous les mêmes à peu près les mêmes symptômes et... Je suis même sûr. Tous les mêmes symptômes de 2-3 jours. Fatigué, je vous avoue. L'Oasix il est parti? Non t'inquiète, je parlais, t'inquiète. Just sleeping. Ah. En tout cas messieurs, merci beaucoup pour ce live. Ça avait été extraordinaire. Et Bah à part la fois au Shing, était lourd avec Pedro quoi. Ouais j'avoue, à part ce moment là, putain. Il est reparti, on l'a perdu. Il faut mieux parler. Pedro. Pedro non. Pascal, putain. J'adore ce mec. Il m'adore aussi. Et moi je vous adore aussi tous les deux. Y'a pas un modo pour faire un shoutout à Léon avant qu'il s'en aille? Mais non, t'en as déjà fait plein, t'inquiète.
Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Bisous. Et je vous love et à très vite. À la prochaine, Léon. Ciao. Léon me manque, je me suis suicidé. Il me manque déjà. Pas autant que Pedro. Il me manque déjà autant que Don Pedro. Pedro, il me manque plus. Moi, je pense, de toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter aussi. Demain, j'ai un max de taf. Moi aussi, moi, je profitais juste de mon dernier stream. Quoi? Bah, parce que je sais pas si demain, je peux streamer. Pourquoi? Bah, si ça suit la même logique que les 5 autres qui ont été un peu malades, puis beaucoup malades, demain, je suis pas en état. Par contre, le Covid, c'est saut 2020, quoi. Faut bah, moi, je fais du rétro gaming. J'ai pas joué à l'époque. Et... j'ai pas joué à l'époque et j'y joue maintenant, tu vois. Putain, ça veut dire que, merde. Que ça sera à ton tour de vomir devant mon stream, mec. Peut-être. Ça fait 15 ans que j'ai pas vomi. Ça sera un honneur. La dernière fois que j'avais vomi, c'était. J'ai été sauvé par le fait qu'on avait une décapotable. Comment ça? Bah, on a pris un gros pont, j'ai dit à mon père non. Il a fait si. Et bah, du coup, j'ai vomi par-dessus la voiture. Ah, ça me. Ça me fait penser à une anecdote. Je sais pas si tu vois qui c'est Divokia qui vient de temps en temps sur mon chat. Pas trop, je t'avoue, mais. C'est la copine de mon cousin Isaac Sior. Ah. Et la dernière fois, ma mère, elle a été la chercher. Et elle était sur autoroute. Elle a vomi par la fenêtre sur l'autoroute. Elle a perdu ses lunettes. Oh putain. Merci pour le raid, Don Pedro. Ah non, Léon. Merci beaucoup pour le raid, Léon. Bah, du coup, moi, ça va faire un shoutout automatique, c'est pratique en fait, je suis con. Donc, tu étais sur quoi, Léon? Ah, tu étais sur Mario Kart 8 Deluxe. La streaming Mario Kart 8 Deluxe. N'hésitez pas à aller le follow, 335. Je veux qu'après vous, on soit 347 minimum. Et coucou, Missis. Coucou, Missis. Comment vas-tu, Missis? Elle dit qu'elle va se coucher, donc bonne nuit, Missis. C'était cool, Missis. C'était cool, Missis. Mais pourquoi McDo c'est des grenades, Michel, sinon? Tu sais pourquoi, mec? Parce que chez McDonald's, il n'y a pas d'homme, Pedro. Oh putain, oh, j'en peux plus. Just forcing. J'en peux plus. Mais quelle belle casquette, je n'avais point vu. T'as pas trigger le bot? Bah, t'as pas trigger le bot en disant ça? Bah, bot palmier, toi qui es lourd d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'écris, Shing? Oh, j'ai... Bizarre qu'il n'y ait pas eu de trigger de bot. Court mais intense comme d'habitude. Mais si, t'as pas demandé comment se passaient tes relations sexuelles non plus. Oui? Comment ça, mon gars? Je disais, ouais, tout à l'heure, pendant ta pub, une pub sur le Discord, ben, le point d'exclamation Discord, il a pas marché. Ouais, voilà. C'est parce que maintenant que j'ai tout transféré les commandes à Bot Palmier, en fait, il arrive pas à comprendre qu'il doit se déclencher une commande tout seul. Mais je réglerai ça avec la deuxième phase de pub, puisque j'ai la flemme. Je vais changer mon bouton, donc j'ai un peu la flemme, tu vois. Juste amateur. Ça me dégoûte, les Mais c'est qu'il comprend ça. Pas qu'il doit se répondre à lui-même, en fait. En fait, je vais remettre le message directement, mais... Oh, c'était en pire ce jump. Pour le trigger, faut parler de mug, mais je pensais qu'il y avait aussi casquette. Il y a même chaussettes normalement. Alors, ça, c'est vraiment. Il y a même chaussettes. Plus gros sarana avec chaussettes. Après, là, de toute façon, dans tous les cas, vous avez testé n'importe quoi et il est désactivé pour une heure, donc ça marchera pas. Mais. Et je pense pas que quelqu'un l'avait activé depuis tout ce temps. Bonne nuit, Léon. Bonne nuit. Mais attends, Léon, c'est pas celui qui invoque avec moi? Bah si, mais c'est pour ça que je te dis bonne nuit, mec. Merci pour le live, Centaure trop cool. Ouais, il est temps d'aller se coucher, Léon. N'hésitez pas à aller follow la chaîne de Léon, du coup, qui fait des reviews des discours de Marine Le Pen. C'est quoi cette bombe? Je parle pas de Marine Le Pen. C'est moi, mec. C'est quoi cette bombe? Just MLP en fait. Just MLP. Just Marine.
NTR, le National Twitch Rassemblement, bien sûr. La partie jeune du Rassemblement National, dirigée par Léon, bien sûr. Les jeunes avec Marine, je crois, c'est ça, c'est pas ça? Ça peut exister. Ça doit forcément exister. Ils doivent être deux, mais... Ouh. J'en suis le président. Ah ouais, il dit Nick Taras et il fonce dans la blague derrière, je comprends pas. Ah, NTR, c'est Nick Taras. Ah, c'est beaucoup moins sympa, du coup. Attends, du coup, Michel, ils réussissent à foirer les commandes au drive alors qu'on commande régulièrement, jamais de problème. Bah, tant mieux qu'ils foirent pas régulièrement, du coup. Non, mais qu'ils foirent une fois de temps en temps. Ils ont mélangé une commande de droite, avec celle de la voiture derrière. On a gagné une boisson et deux petits wraps, mais perdu un burger et un cookie. Ouais, c'est pas... Ouais, je sais pas si c'est worse. Mais oui, il est bide de droite, Léon. Mais si, c'est plus qu'un petit coucou, là. Ça devient un peu long pour... Moi, en tout cas, c'est pas aussi long, hein. Mais de quoi tu parles? De quoi? De choses courtes mais intenses. Non, mais c'est ça qu'on voit que les gros streamers, ils deviennent aigris de fou. Genre, les gens, ils viennent, ils disent, ouais, je viens faire un petit coucou. Et ils sont là en mode, bah dis donc, c'est pas un petit coucou. Alors que moi, je serais là en mode, un petit coucou. Nanana, mais c'était juste pour forcer sur la blague, autant que toi, tu forces avec Don Pedro, putain. Moi, je force avec Don Pedro. Non, je pense pas, non. Je crois pas. Bonne nuit, Léon. Tu es une personne exceptionnelle. Et n'oubliez pas de sourire, c'est ce qui vous rend encore plus beau. J'ai peut-être pas les bonnes quotes encore, mais... Ça dépend, c'était Michel Houellebecq, par exemple, bof. Hein. Mais c'est ça. Après, Je le dirais même à Michel Houellebecq, je suis sûr. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il a des sacrés chicots, bref. Moi, j'en ai marre de dire bonne nuit à C'est pas lui qui a fait du porno? Si, mais il était plus d'accord après. Mais comment ça, il était plus d'accord? Ah, en fait... Je vais te résumer l'histoire j'ai entendu le résumé d'un best-of Pas du tout que t'as été la regarder l'histoire, que t'étais vraiment la vidéo tout voir. Non, c'était sur un best-of d'Antoine Daniel, et en gros, il y a eu un truc du genre, une soirée un peu brosson, il voulait se taper. Je la connais pas bien, Léon, désolé. Oui. La meuf voulait pas, et au final, ils ont trouvé un accord comme quoi ils pourraient ken cette meuf, mais seulement s'ils filmaient le truc. Et apparemment, ils ont signé des contrats et tout. Il a couché avec, et je fais que citer ce qu'a dit Antoine Daniel. Apparemment, la personne aurait dit que Michel Houellebecq était une vraie bête de sexe. voilà, hein, je fais que just citing mes sources. Et Après, dans le contrat, c'était juste filmé et diffusé. Non, filmé pour que ce soit diffusé, mais apparemment, il a pas compris que ça devait être diffusé. À mon avis, il voulait trop just basing, en fait. Tellement voulu baiser qu'il a signé les yeux fermés. Et du coup, je crois qu'il est en train de les attaquer pour pas que ce soit diffusé, mais je crois que c'est pas... Oh, sur ça, un petit peu tard, non? Oui. Il a signé pas avec sa main, quoi. Oh. Ça, c'est une expression. Oh. Qui me choque au plus haut point. Qui me choque au plus haut point. Et voilà, just raconting Michel Houellebecq. Bah, merci de nous avoir mis du contexte là-dessus, hein, c'est ça. Ça nous fait du bien. Pas de problème, et vraiment, je recite mes sources, c'est un best-of d'Antoine Daniel qui cite lui-même des sources, donc elle va citer mes coucous, voilà. J'espère qu'avec mon audience, du coup, quand tu regardes Google Trend, il y a un pic de recherche bizarre avec Michel Houellebecq à cette heure-là, mais... Ça n'a rien à voir avec nous, c'est juste l'heure qui fait que... Ah... Là, vers minuit 30, tout le monde recherche Michel Houellebecq porno. Non, la rouge va taper la verte, non, c'est bon. Hop, totalement mérité. Il a tenu le stylo avec les pieds. Ouais, c'est exactement ça que je voulais dire, Michel. Qui m'a envoyé une demande d'amis sur Discord? Nerdax. John Hastings, officiel. Salut, j'aurais besoin de ton aide. Il y a un problème sur une annonce Discord. Un serveur en commun, Rocket Baguette. Mais je suis admin RBRS, hein. Je suis pas dans le staff de Rocket. Comment ça? Oui, un petit lien. Vraiment petit, hein. Quand même, le lien, il est léger, quoi. Et tu ne parles qu'au sub, de toute façon. En tout cas, le gars, il a vu l'icône violette, il a cliqué quand même, hein. Il s'en est battu les couilles. Il a dû MP de tous les admins d'RBRS. Ça se passe souvent, ça. Les gens qui ont un problème, ils disent pas que les gens parlent entre eux, tu vois.
Ah, toi aussi, il t'a spammé. Ah, toi aussi. Toi aussi, il t'es en train de te parler. Mais t'es encore admin? Ouais, je suis encore admin. Bon, y a pas eu de RBRS depuis. Je pense qu'il y a très grande chance que s'il y a de nouveau des RBRS, je dise, bah, j'ai pas le temps, mais... Si jamais d'ici là, je suis devenu une star et je fais que du Twitch. Pourquoi pas continuer de dépanner? On verra en temps voulu. Ils ont pris un MP. Ils ont pris oh, un c'est MP aussi. Rick quoi? De Rick et Morty. Hein, et, hein. La tête de Rick. Mais où? Ah oui, je voyais pas. Demain, non, pas prévu demain, je pense pas. Pas trop quoi faire demain, mais pas prévu. Non, j'aime... Mario Kart, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Jouer avec des amis comme ça en discutant, mais pas tout le temps. Je ne suis pas un streamer Mario Kart, je suis un streamer multigaming. Mais après, tu peux, ça se trouve, tu peux accrocher à la personne et décider de revenir même quand on fait autre chose que du Mario Kart. Ça serait avec plaisir, Baptiste, en tout cas. Enchanté. Oh, tu viens de faire un CV ou quoi, là? Alors, c'est ouais, il a fait un discours. J'ai mis plus de CV. J'ai plus de CV là que j'ai reçu de CV pour les modos, hein. Ching, tu candidates, toi, pour être modo? Comment ça? C'est genre, ma place, elle peut sauter, c'est ce que tu veux dire? Enfin, ah, t'as pas compris, c'était à ta place, mec. En vrai, ça me dérangerait pas, hein, si tu me retirais l'épée. Non. Enfin, ça me dérangerait pas, j'irais pleurer dans mon lit, mais... ça me dérangerait pas. En fait, ce qui me ferait chier, c'est que je puisse plus épingler mes petits messages, quoi. Il peut plus s'auto-shout-out. Multigaming avec une pointe Rocket League, non. Pas de quoi tu parles. Ouais, il stream beaucoup de Rocket League aussi. N'hésite pas, hein, si t'as des problèmes sur Rocket Baguette, à le contacter. Évidemment, je règle tous vos soucis en un temps record. Je vais pas tarder parce que demain aussi j'ai un max de taf que j'ai rien fait aujourd'hui. Demain tu taf ou... Non, la fac. Ah. Bah oui, aujourd'hui t'es parti faire un tournoi Mario Kart un vendredi après-midi. C'est vrai, mais j'étais tellement pas motivé, j'avais bossé toute la matinée presque. Le FC cœur couille, hein, si mes infos sont bonnes. Le FC cœur couille, non mais je connaissais pas, il a connu. Bon, en même temps, je connaissais pas le streamer. Je connaissais tous les viewers. Ouais. Bah hier, BA a mis un message dans mon live, hier, non, c'est mercredi soir, il y avait Grand Dead. C'était Brou qui lui avait volé son compte pour écrire un message. Je savais pas qu'on puisse connaître tous IRL. Bah là, il stream pas du week-end parce qu'il y a l'Oralia, le Toons et tout qui vont tous se voir IRL. C'est ça qui stream pas demain, ni dimanche. Mais demain, ouais, leur cuisine de des pâtes carbo, pour si vous voulez les détails. Si vous voulez vous incruster. Il m'a donné l'adresse, si tu l'avais ou pas? Je la connais. Allez, reveal de l'adresse en live. Il a dit 23 rue des Connards. Mais il m'a pas donné la ville, donc... Il m'a vraiment dit 23 rue des Connards. Bizarre l'ambiance, hein. Moi, en tout cas, c'est ma... N'hésitez pas à faire point d'exclamation merde pour comprendre qui est Béa. Oh vas-y, c'est bon. Putain. C'est bon. Oh c'est bon. Putain. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Ah mais non, mais vous avez pas le droit, les gueux, désolé. Allez, c'est bon. Ouais, c'était une énorme merde. Du coup, ça, ton truc n'a servi à rien en plus, du coup, quand tu l'as retapé. Et mon crâne. Je vais péter mon crâne. Voilà, c'est cette personne totalement bienveillante qui s'appelle Béa. En tout cas, je vois que mon CV n'a pas trop convaincu Baptiste, je pense. Je crois qu'il voulait du MK. Je crois qu'il est coincé sur zupimage.com. Peut-être. C'est pas le plus pratique pour les viewers mobiles, mais bon. Vous affichez ma prog avec au milieu de ma grosse gueule à chaque fois, quoi. Pas chaud, mec. La musique est bien, j'aime bien la musique ici. La musique est toujours un banger dans Mario. C'est vrai. Il faut vraiment... Alors,
Je me permets de relativiser avec la musique la plus nulle de tout Mario, de tout ce Mario Kart, c'est la musique de Peace Musical. Fun fact. Bizarrement. La musique est à chier. Sur Peace Musical, alors que toutes les autres sont bangers. Mais la Peace Musical, c'est parce que vous êtes des aigris, vous aimez pas la course. Bah, alors par contre, je suis désolé, je déteste Dolphin Squall, là, le... Oh, désolé, je parle English, you know. Lagon Tourbillon. Ah oui, yeah. Je déteste Lagon Tourbillon, mais la musique est un banger et j'essaie de le reconnaître. The Lagoon qui tourne, ouais. The Lagoon qui tourne. The Turning Lagoon. Oh, putain, bien. Mais tu parles trop bien anglais, il comprend pas, sinon là, c'est... faut arrêter. Hier, il a raid et s'est tombé sur un clip où il parle anglais. Tu sais, les fameux raids où les gens ont le truc, quand tu fais un shout-out où ça met un clip au hasard. Horrible. Oui, c'est vrai, ça... oui, c'est horrible, mais... Du coup, c'est tombé sur un clip d'Aslo qui parle anglais, qui s'est fait clipper. Ouais, c'est assez sadique. Ça met mal à l'aise quand tu raids, on va sentir. Et ça prend quoi, des clips avec beaucoup de vues ou... Je crois même pas, mec, hein. Oh, moi j'ai eu. A chaque fois que je raid l'équipage du soleil, ils ont ça. Ça me sort un clip de 2020. J'ai même pas de cam, je suis en train de jouer Rocket League. Mec, il y a un clip où je te casse un de tes buts. Je te promets, là, cette dernière, il y a un clip où je casse un de tes buts. C'est normal, enfin, je veux dire, c'est ça, c'est un algo très fort qui montre ce que les gens veulent voir et c'est juste moi en fait sur ta chaîne. C'est ça le truc. C'est à l'enfer ça vraiment. Après, moi maintenant, vu qu'avec le point d'estimation clip, j'avoue que je vais les trier moi-même et. Et s'il y en a un qui est inutile, je supprime et tout, bah au final c'est que des clips ok tiers qui restent. Bon, je laisse les out of context de Shing, tant pis si ça arrive sur un raid, tant pis. Ah, le raid vous arrive, Zix il dit. Je suis extrémiste. Mais bah, par contre, Aslo a un clip exceptionnel. Aslo a un clip exceptionnel à ce sujet là. Ou. En vrai, j'ai rien à dire, faudrait que je te le remontre. Mais comment le trouver? Quoi? Comment le trouver? Aslo a un clip exceptionnel où il veut raid un streamer et le streamer met une dinguerie à la seconde où il allait pour le raid et il fait allez bon bah on va partir sur autre chose. Mais alors pour retrouver le clip incroyable. Pour retrouver le clip banger. Et Aslo a un autre clip dans le genre là où ça c'est un des clips les plus vus de sa chaîne où il est en mode, il y a un viewer qui lui conseille une chaîne, il va la voir pourquoi pas la raid et il est en mode bah je suis désolé mais je vais pas raid quelqu'un qui parle pas, cette personne parle pas beaucoup et tout et au bout de quelques secondes il descend dans les panneaux et il y a écrit je suis muette depuis la naissance et tout. Oh putain de merde. Oh non. C'est le deuxième clip le plus vu de sa chaîne, hein, je crois. Oh putain. C'est horrible. Aïe aïe aïe. Mais le truc, mais il faudrait le retrouver, Aslo, faudrait que tu le retrouves. Il est drôle à écouter, je peux le montrer. Mec, je pense que je vais passer une énorme soirée quand je vais arrêter de jouer. Parce que je vais aller sur la chaîne d'Aslo et je vais regarder tous ses clips les plus vus. Oh putain, ça c'est un vrai bro, genre quand tu vas sur sa chaîne, je tombe sur moi. Putain. Mais va sur ma chaîne, mec. Oui, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois pour toi, mec. Oh, 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 oh. Ah, ok, merci. Mais comment le retrouver? Qu'est-ce que ça aurait pu être le titre? Avec un petit contrôle F là. Aslo, c'est viewer. Peut-être faut contrôle F Red. Ah, je l'ai, je le montre après la game. T'as quitté toi? Non, t'as pas quitté? Non, j'en fais une dernière. Je le montre juste après la game, j'ai retrouvé le clip. Avec un bon contrôle F Red. Mec, je vais me taper tous les clips de Aslo, c'est incroyable. Bah mec, c'est ce que j'ai fait hier. Okay. Ouais, parce que... Ah, tu cherchais des soundboards. Je cherchais des petites refs pour faire les pubs, les possibles. Oh, merde, c'est chiant, parce que je connais déjà tous tes clips, là. Donc, tes shorts, bah je les connais déjà, en fait. Putain, trop fan de moi. Ouais, et vu que je suis un très mauvais monteur, en plus, j'ajoute pas grand-chose au montage. Des fois, j'ajoute un petit truc qui va être rigolo, mais très rare, quoi. Ouais, je le vois. Et coucou Aishi! Aishi, c'est qui est en l'orgue juste avant de démarrer? Et qui c'est qui avait avant que je démarre chez Aishi? Aslo. Bien vu, mec. Trop fort. J'ai stressé, mec. Carrément, j'ai transpiré. C'est la question à million. Bien joué. Oh non! Pas ça! Pas sur la dernière! Mais écoute, Aishi, ça va super et toi? J'ai trouvé un beau surnom à ce coup quand même.
À Slosh ah, elle a dit re-toi, parce que j'ai cru qu'elle avait dit re-le roi. Ah non, quand même pas au... Son ego après. Bah, le roi des lions en même temps. C'est classe, c'est vrai. C'est classe que... C'est plus classe que le plus grand palmier de la... C'est ça, que de le tronc l'île. D'arbre. que le tronc. Le tronc d'arbre et ses noix de coco. Ouais, oui. Et je vous rappelle hein, que. Elle est super Johnny cette dernière game. Hein. Officiellement un palmier. Johnny Sintz, Jean-Luc Mélenchon, le fit improbable. Ça va se passer sur cette chaîne samedi prochain. Johnny Sintz, Jean-Luc Mélenchon, BFM TV, ce sont tous des palmiers. Mais Johnny Sintz est forcément le plus grand. La bûche. La dernière game est terrible. Vas-y, la banane, histoire de prendre la totale. On va m'arrêter sur une. Oh non, on s'arrête pas là. Hein. Non, Ender. Mais une vraie Ender. Par contre. Je vous montre le clip quand même, mais Ender. Ah ouais, ça va ce clip là. Cherche tout, c'est trouvant. Bien sûr. Atema. Comme moi je suis raciste. Non. Allez, c'est non. Allez. Oh putain. En vrai, le timing est exceptionnel quand même. Je tiens à dire que le timing. Genre, ça arrive une fois dans une vie, un clip comme ça. Ça arrive... Non, mais en plus, je l'avais déjà vu. Mais comment ça, tu l'avais déjà vu? Je l'ai déjà vu. Mais t'es un gros malade, mec. Bah quoi? Il connaît tous vos clips à tout le monde par cœur. Mais non, mais moi, je crois qu'il l'avait déjà montré, ou alors j'étais là en direct. Peut-être j'étais là en direct. Moi, j'ai fait ça pour le travail, tu vois, mais... Mais ça se trouve, j'étais là en direct. Regarde, ça se trouve, j'étais dans... Non, mais parce qu'une fois, t'as raison, faut pas abuser quand même. Une fois, ça faisait deux fois, enfin ça faisait deux mois, j'étais seul chez lui, il a quand même osé me dire, tu viens sur mes lives toi? Bah alors, non mais il me le dit aussi en MP hein. Tu me connais? Il me le dit en MP et chaque fin de vendredi, il vient me sortir une disquette et il me fait, ah oh, j'espère que les deux autres ont apprécié. Je lui dis, mais mec, Shing est ton fanboy numéro 1. Bah ouais. Et après il fait, ah bon? Après, c'est vrai que je suis pas très actif dans le chat. Après, le mec est obligé de s'interdire de parler s'il veut dormir. S'il sait que s'il parle dans son chat, du coup, quand je raid Aslo, Shing, il dit, si je parle, je suis la reine des salopes. Et derrière, il m'envoie MP, il dit, ça compte pas, c'est méchant quand même. Hein, c'est... Non, mais ça, c'est... Attends, je te jure. Vraiment, la fois où je dis, si je parle après telle heure dans le chat d'Aslo, je suis la reine des salopes, je te jure... Minuit 1, le chat il fait quoi? Il saute sur le clavier, il appuie sur deux touches. Non, c'était après, c'était après un raid où t'avais dit je dis juste bonjour et après j'arrête. Mais ouais, c'est bon. J'en peux plus. Chat, il a quand même parlé en ton nom du coup, hein. Merci. Ne me touche même pas. Je crois que je t'ai touché. Bah si. Tu vas le regretter, mec. Ah ouais? Just regretting. Donc c'est pas Johnny 6 qui est derrière moi, tout va bien. Oh non. On peut pas accepter la blague sur son panier. Oh non. J'ai fait des blagues sur ça depuis tout à l'heure, mais... Ouais, mais j'ai quand même dépensé 3,99€ pour ça, mec. Merci, c'est vrai, merci beaucoup. Je vais les rentabiliser. Bah, j'ai une certaine légitimité, je vais payer, monsieur. Vraiment, je suis vraiment une merde d'avoir connecté mon PayPal à mon Twitch. Hein. Maintenant, je sub trop facilement. J'ai besoin de rien faire. Tu cliques, ça accepte. T'as même pas d'affirmation, rien. C'est horrible. Je dépense trop d'argent dans les subs. T'as pas de bits? Ok, bah ça va vouloir dire non. Hein? T'as pas de bits? Non. Bah en fait, une fois, en fait, c'est l'époque où j'ai découvert ton alerte à l'Odona le sang. C'est des beats, et depuis je n'ai plus jamais un peu. Oui, c'est vrai que t'es dans le top 10 beats. C'est vrai? Je crois que t'es dans le top 10 beats. Allo, Donna le 5? Allez, c'est bon. D'ailleurs, pourquoi tu l'as retiré? Bah, en fait, 100 c'est la valeur que met tout le monde par défaut et. C'est un truc à ponce quoi, quand même, c'était pas. Je sais pas. Je vais. Ces dernières semaines, il y a Onutrem qui stream pas mal du. Du Isaac, et du coup je vais souvent chez lui, et toutes ses alertes c'est des autres streamers. Ouais. Septième mec. Après du coup c'est un concept où c'est toutes les alertes et des autres streamers, je sais pas. Moi je sens, en fait c'est ce que les gens activent par défaut. Vous voyez, je vous fais les alertes que vous voulez, vous me dites à mon temps je fais les alertes que vous voulez, mais...
En fait, à la base, on avait fait un petit jeu où j'avais fait des alertes liées à des nombres. Par exemple, 118, ça déclenche 118 de 118 et tout ce genre de trucs. Mais il arrive un moment où j'ai plus d'autres idées avec des nombres. Du coup, bah, le jeu a un peu pris fin, mais... Oh, putain, d'ailleurs, mec, je crois que t'es à peu près au courant, mais... Oh, j'avais fait ça au tout début aussi de mon stream. Et... Mais vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir fait comme Squeezie quand il est retourné voir ses vidéos d'il y a 10 ans. Genre, je sais pas, il y a un mois, j'ai Team Zoo qui vient et qui lâche 69 bits. Et c'était mon alerte à moi, du coup. Et oui, ça a lancé ton alerte à toi, où c'est Laura qui dit « C'est bon, oui !» Et toi, dedans, c'était... Oh là, vraiment, ça m'a cringé. En plus, il l'a activé toute la soirée. Bon, j'ai jamais fait une soirée aussi rentable, mais je l'ai désactivé après parce que vraiment c'était trop cringe. J'avais vraiment eu l'impression de. J'étais trop cringe, super, hein, merci. Mais non, mais mec, j'avais fait un gif sur une vidéo de toi que j'avais capturée, que j'avais rogné sur VLC, c'est même pas centré sur toi. Je t'avais même pas demandé ton avis, j'ai mis ça sur 69 en voulant faire penser à Lyon, même pas au 69, alors que. Le clip, ça dit « C'est mou, oui !» Et genre, c'est sur le toit, le truc le plus beau possible, c'était trop cringe, je sais, bon, j'ai abandonné, j'ai dit « Allez, les arabes !» Après, j'ai été faire un clip de Léon tête Shrek, je l'ai loupé, parce que quand je l'ai mis sur le Discord, il était en ralenti et avec une coloration bizarre. Je sais pas faire un gif, je suis un boomer. Je suis un putain de boomer, les amis. Quelqu'un veut m'expliquer comment faire un gif? Ouais, le problème c'est que moi, pour que ça soit trouvable, je faisais un jeu où c'était quand même relié à des vrais trucs et... Bah j'en ai fait deux vagues, derrière tu fais quoi, tu vois? T'as tout fait avec les nombres. Ah, moi j'en ai fait quelques-uns où c'était lié aussi à des trucs, mais... T'as fait l'erreur 404, le 666, le 118-218, t'as tout fait, quoi. Et je sais même pas s'il y a toujours l'alerte pour... Je dis ça, ça fait vraiment le gars qui veut qu'on déclenche l'alerte, mais... Je peux gérer de voir après moi-même s'il y a toujours l'alerte de Rulio à 97. C'est un jeu d'acteur de Laura exceptionnel. Je vous la montrerai. Ah, mais c'est là la route! Allo, donne-la le 5! Ah, ouais, ça m'avait rapporté masse bits, hein, cette merde. Kibro qui nulto, il s'était battu pour avoir toutes les alertes. Hein. Mais je crois que. J'ai même pas envie d'être connerie, c'était il y a un an et demi, mais je crois qu'il y en a une qui a toujours pas été trouvée. Je sais plus si je l'ai activé ou pas, mais je crois qu'à la fin il y en a une qui a jamais été trouvée. Ah, j'aurais peut-être dû arrêter sur la game d'avant, hein. J'étais deuxième la game d'avant. En vrai au début tu vois j'avais fait ça aussi pour rigoler parce que je voulais apporter des petites features et tout. Mais bon, on soit honnête, voilà, quand tu fais un live tous les 6 mois. Faut que j'arrête de demander aux gens de donner des trucs. Déjà le sub avec le prime c'est déjà très bien, je vais pas forcer sur les autres trucs. Ah mec, c'est le meilleur truc de faire un live tous les 6 mois, hein, parce que du coup t'as ceux qui mettent l'abonnement automatique, qui est... tu l'as une fois par an et t'as des fois des gens qui ont 12 mois d'abonnement, bravo, GG. Et ben mec, ma mère elle a voulu s'abonner à ma chaîne pour me soutenir et elle s'est abonnée pendant 6 mois dessus. J'ai vu. tu fais même une 11e place quand ta mère s'abonne. C'est possible. Mais frérot, c'est toi qui cringe, je connais plus par cœur les clips que n'importe mec, qui. Mec, c'est pour travailler. Oui, pour travailler. Tu connais parfaitement le moment où je parle de ma mère sur mon stream. Mais gênant. Tu le dis même, oh j'ai fait 11ème quand il y a ma mère, tu le dis. Mais je m'en souviens même pas alors que c'est mon anecdote. Mais je l'ai regardé il y a pas longtemps. Oh le Park Baby pour finir. Mais par contre, vraiment, Oasis c'est un stalker, je vous jure. Mais genre... c'est pour le travail. Attends. En ce moment, j'envoie des MP à tout le monde. Du coup, je vois les gens qui sont sur les golfs le joint au lieu de travailler. Je mets un petit message. Voilà, c'est exactement. Je vous jure, je passe je suis ma là. Vie en MP. Je me dis, vas-y, lundi. 14h07, allez, je vais me faire une petite game de League of Legends. Normal. Je vous jure, je vous fais vraiment comment ça se passe dans ma tête. Je fais une petite game de League of Legends, je double-clique sur LOL, mon LOL il s'ouvre, je me dis, tiens, qui est-ce qui va bien vouloir jouer avec moi? Et là, d'un coup, bim, je reçois un message Discord, 10 secondes après que j'ai lancé. Non, mais, l'exagération. Il me fait, bah alors, ça travaille dur aujourd'hui, je vous jure, il me l'a fait 2 ou 3 fois, j'ai peur. J'ai peur de lancer des games, je me mets en occupé maintenant. Je vais m'en occuper. On va quand même pas faire une alerte pour Julio. Je lance un nouveau jeu et fais. Ah, et bah alors, on a les moyens en ce moment.
Non mais je suis en solo, mais je passe ma vie dans mes MP. Ouais, ouais. Y a 100 personnes qui sont impliquées dans les pubs, donc à un moment, tu vois. Wow, le lit, et surtout qu'il y a des gens, la première série de pubs qui ont mis 3 mois à me la faire. Et là, j'aimerais avoir fini la semaine prochaine, donc il y a quand même un petit problème de... Ah putain, si je fais pas ça ce week-end, je dois supprimer ma chaîne Twitch, moi. J'ai pas envie de dénoncer les personnes qui ont mis 3 mois à faire dans la première vague, mais... Quelle bande de nazes, franchement. Oh putain. C'était... Après, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont dû te fournir un truc de qualité, monté, avec des petits sons, c'est comme ça, quand même. Moi ? Mais non, pas du tout toi, Slow. Je parlais de la première vague il y a 6 mois au moins, je sais pas, quand... Oui, non, mais c'était en début d'année, mais on a commencé à en parler en octobre et ça arrive en février, quoi. Pour cette pub, hein. Deux par personne. Non, mais c'est... tu dis ça, mais c'est parce que tes viewers, ils ont fait des trucs, ils ont voulu faire des montages et tout. C'était... Ouais, je pense, hein. Non, celui parlait de moi, j'ai mis 3 mois à lui envoyer. Et bah d'ailleurs, je suis même sûr que je t'ai déjà raconté cette anecdote à Slow. C'est ça qui a fait que je me suis remis à streamer. Parce que du coup, pour que la vidéo elle soit propre... Non, le son, juste le son. Hein. Oui, voilà. Pour que le son il soit propre, je me suis reconnecté à OBS pour avoir les filtres et tout. Et vu que j'avais OBS d'ouvert, bah, je me suis dit, bon, bah... It's time to revenir. Après, je crois pas qu'à ce l'ait été demandé, mais bref. Allez, on va s'arrêter là, si c'est une belle soirée. C'est une belle soirée. Ah, j'ai pris la balle IRL, j'ai mal au cœur. Non, ça va encore plus mal si c'est lui qui dit je t'ai pas demandé. C'est moi qui ai mis une balle et il va te défendre, tu vois. Tu vois, il a mis non, putain, trop bien, tu vois, c'est logique. Alors qu'il est exactement comme tu l'as dit. Alors, je suis pas sûr qu'il fasse la même taille, pour être honnête déjà. Je fais 110 kilos, mais pas de, du tout de muscles. Je dois être composé à 80% de gras dans mon corps et 10% d'eau, genre. Mais oui, mais j'ai ça dans mon OBS parce que ça s'active tout seul pour les pubs, quoi. Mais non, mais arrête vraiment, coupe-moi cette merde. T'aimes pas te balader? Non, je suis pas grand du tout, je fais 1m60, même pas 75. Je suis pas du tout. Dis-toi que moi, ça peut être encore moins à mon avantage, ça peut être ça, tu vois, ça va. Mais non, ça c'est vraiment incroyable, ça, cette image. Disponible à seulement... Attendez, je vérifie. Disponible pour seulement... 1000 bits. 10 000. Des pixels, il a négocié, il veut que je la passe à 1000. Bah ouais, 10 000, frérot, c'est... Mais énorme. Mec, je mets les émotes où je peux. Genre, je les mets où je peux, les émotes. Mais là où il y a de la place. Et c'est souvent dans la gueule. C'est... Bref. On va quand même faire un shoutout pour Shingling, hein, mais... Non, c'est bon, ça va aller, merci. Va, je suis aller. Timide, arrête. Je vais mettre le mode bouclier, là. Shoutout Shingling. Bah, c'est le monsieur à la tête à l'envers. À la tête retournée. Parce qu'avec lui, on se tape des barres. Il serait souvent en train de rire et être comme ça. Wouh, c'est un petit foufou, hein. Eh, parce que Mélan, il faut renversant. Hein. Oh, c'est là qu'ils sont renversants. Bien vu la blague. Il a un humour à tomber de sa chaise. Hein, Slow? Ah, j'ai vu ce clip. Non, mais Slow, il fait le mec avec ce clip. Il fait le mec avec ce clip. Il était en mode, oh, ne le clippez surtout pas, ne le publiez toujours pas sur Discord. Et il a fini par le mettre lui-même sur Discord. il faisait genre. Il voulait le partager. Non, s'il vous plaît. Oh non, les gars, mettez-le pas. Vues. Mettez-le pas. Ne mettez pas de rewind de Twitch, Popcorn, arrêtez. Oh non, pas sur TikTok quand même. Je vais me le regarder là. Il va sortir une série d'Aslo. Sa petite bouffée de. Putain, je vais m'endormir avec tous les clips de Aslo là. Sa petite bouffée avant de dormir. C'est rude, je l'entends me parler quand il écrit. Je l'entends me parler.